On a participé, chaque classe a fait des dessins collectifs ou individuels qui sont affichés et gagnent un petit peu, donnent un petit peu plus de vie à ce salon. On a pris du plaisir, chaque enfant a travaillé autour de ces illustrations. Donc c'est un moment de partage entre la vie du village et la vie de l'école, ça me semble important. Et, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, je remercie l'école, les parents, les enfants, bien sûr, puisque se sont révélés des très bons dessinateurs et peintres. Donc, nous avons préféré faire une exposition qu'un concours. Et la récompense, du coup, est collective, puisqu'il y aura un livre par classe qui sera offert par la municipalité. Voilà, donc je tiens à remercier AAA Édition, à remercier tous les artistes qui ont bien voulu se déplacer. C'est un grand plaisir chaque année et nous espérons pouvoir développer cette exposition encore l'année prochaine. Merci à tous, merci aux parents et aux enfants. Alors les livres offerts, c'est un par classe, hein, puisqu'il y a 6 classes qui ont participé, c'est ça. Il y en a un par classe, ce sont des livres qui ont été choisis par la directrice de l'école, que vous allez pouvoir voir, qui sont derrière les enfants, qui sont exposés sur la table qui est derrière les enfants. Nous avons la chance, parmi ces livres, les auteurs, certains ont dû se désister malheureusement, mais nous en avons quand même 3 qui sont dédicacés par les auteurs présents. Un dédicacé donc par Bernard Sayol qui a 2 livres qui seront offerts, et un dédicacé par José Correa, ici présent, pour un autre livre qui a été offert. Voilà, donc vous allez pouvoir apprécier ces lots qui seront remis demain matin à 9h12. Donc ça sera la directrice qui se chargera de répartir par classe les livres choisis. Dans l'attente, bien sûr, les enfants impatients sont en train, en fait, de regarder ce qu'il y a sur l'autre table. Donc tout ça, les bonbons, les chocolatines, c'est pour vous. Et s'il en reste, peut-être que les parents pourront en prendre une ou deux par-ci, par-là. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. Encore bravo pour tous les dessins. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.